Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de GTA 4 pour l'épisode 18. J'espère que ça vous plaît toujours et donc on est parti, on va continuer l'histoire. Et on va aller se rendre chez Playboy X, on a énormément de missions, on a des missions pour Paki, on a des missions pour son Francis le flic, donc qui est de sa famille. Et puis pour Playboy X, alors on va aller voir Playboy X hein, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de mission pour lui. Et puis après je pense qu'on ira pour voir Francis et puis pour Paki si on a le temps dans cette vidéo. Allez, donc je vais mettre un point quand même parce que sinon je vais me perdre. Non, je plaisante quand même pas, mais bon. Allez, on a une petite BM. On va arriver. Putain, ça. Ouh. Elle avait des belles jantes à lui, celle-là. Allez, on va arriver chez Playboy. Playboy X. Oh, en noir, elle était stylée aussi. Allez, on va se mettre là. Tu es arrivé à destination. Voilà, merci, j'avais compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ferme pas la porte? À chaque fois, je bouge trop vite, je pense. The Holland Play. Sup, money? Hey, man. Business is tough. I ain't a cold person. I mean, I am cold, but motherfucker. What are you talking about? You want a drink? Man, have a seat, man. All right. Now, I got into this dope gang because it was the only thing that was open to me, man. The only thing, man. Hey, I am not judging. No, listen. Now, I paid my dues. Now, I learned in a hard school, man. And I changed stuff. You know me. I do this stuff so I got a chance to do some good in this town. So you say. So I say. So I do. When I get the money, man, I will build parks. I will sponsor kids. I will save lives. But I gotta have the money, man. Is all this? All this, it means nothing if you ain't got the heart, Nico. Amen, brother. I mean, fuck, man. Fuck! The thing is, you know, Jesus, he did some crazy shit too. I mean, everyone does. He killed people. He killed that John the Baptist cat. He did what he had to. I don't think you're correct about that. Man, the point is, man, history is a long time. And you only got one chance. And Dwayne, man, Dwayne, it's like he thinks it's 1992. And the best that you could hope for is a gold chain and a pager. You know, he looks at me like he wants me dead. I took care of business. I gave him money, but because I won't bow down to him and treat him like he the almighty, motherfucker wants to pop me. Dwayne is a little troubled. He was in prison a long time. Maybe you guys should talk. No, I tried talking. No, I tried giving him half of the business. I tried everything a man could reasonably try and still call himself a man. So what you gonna do? Kill him? Hey, I didn't say that. Man, you cold. I was joking. But what else is there? I mean, Cass been talking. Now I hear things. Said you and me, it's too tight now. Said you disrespected him. Called him mad. He's going crazy. I mean, he's gone. Prison does that. Well, you can't kill him. Nope. But you can. But I don't want to. Neither do I, man. But if he goes insane, we all dead anyway. I mean, Dwayne is a killer. I don't like this conversation. Do you think that I do? But it's kill or be killed out there. You got a lunatic after you? Man, you dumb. Now, I will give you a lot of money. Because see me? Now, I ain't scared of no one. But a motherfucker says he's gonna kill me, and motherfucker's gonna die. Man, I'm not sure. I got to think about it. Well, I hope you see some sense. I will be in touch.
Bon, on va donc avoir un choix, hein, vous l'avez compris, à faire. Soit tuer Dwayne ou ne pas le tuer. Et il me semble même qu'on va devoir soit tuer Dwayne, soit tuer Playboy X. Donc, eh ben, ça sera à vous de décider ce que vous voulez qu'on fasse dans le prochain épisode. Donc, dans l'épisode 19 qui arrivera mardi. Si vous voulez qu'on tue Playboy, pardon, ou Dwayne. Alors moi je sais que j'ai déjà tué Playboy, donc je sais ce qui se passe quand on tue Playboy. Mais j'ai jamais tué Dwayne, vraiment jamais, à chaque fois que je l'ai fait. Donc si jamais vous voulez qu'on... Bah voilà, si vous voulez qu'on tue Dwayne, bah moi ça me permettra de voir un peu ce que ça fait. Et bah sinon, bah, on fera Playboy. Ça sera à vous de me dire. Donc allez, on continue. On va aller... D'ailleurs je vais pas vous mettre toute la route là, tout le trajet. On va aller voir Francis. Donc on se retrouve sur place. Allez, on est arrivé. Pour Francis. On va garer la voiture là. Hop. Allez. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai aucune idée, je m'en souviens pas. Lure. Are you trying to get us both killed, you fucking asshole? What? I send you to destroy an organization and you only make the boss disappear. Now his chief lieutenant is holed up in an apartment, and he wants to speak to the feds! Whoa, hold on. An organization? No, you fucking idiot! I paid you to do a man's job, you amateur, you fucking boy! No, 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 no. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit! All right, I'll tell you what, genius. I'll tell you fucking what. Tell it to the judge. Tell him I only sent you to kill one guy, so it ain't your fault. I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk, on account of you being brain dead and totally fucking mentally retarded. Maybe he will. Either way, you're screwed. Whoa, 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 whoa. Wait. Look, you gotta do this for me. For us. Come on, you idiot. One more. The guy's a fucking lowlife. He means nothing. If there is a god, and he loves us, if there is, he'd want this cunt dead. Guy sells heroin to kids. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. I don't have anything to lose, Mr. McCreary. How much? You know my price. No. Five. You call. I don't care. You bastard. Okay. Now the guy lives in an apartment on Denver between V and W. He's holed up there pretty tight. I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and M. So go there, give me a call. Et c'est reparti. À chercher des munitions pour ton fusil de précision dans la voiture. Oh, j'en ai déjà, hein, mais bon. Ok, donc c'est là. Allez, on est en route. Bon, pendant l'émission, les trajets, je pense que je vais plus couper parce que... Après, je sais plus à combien de temps j'en suis. Comme ça, ça vous laisse un peu aussi voir la ville et tout, de temps en temps. Je le ferai pas tout le temps, mais... Là, ça va, c'est pas trop loin. Ça va le faire. Si je me trompe pas de route. Allez. Hop. Bon, en tout cas, on a bien avancé dans l'histoire. Hein. Je sais pas combien de pourcents on en est, mais bon, je pense qu'on a fait au moins la moitié déjà. Je me souviens plus trop, mais il me semble, je suis pas certain, 100%. Uch. Ah, mais tu peux fermer la porte? Putain, dès que tu bouges à peine. Oh, elle fait plaisir cette Merco. Petite Fletzer. Va à l'appart près de Denver Avenue. Encore de la route, hein. Allez. Ah ouais, je me rappelais pas qu'elle faisait ce bruit-là, elle. Elle était stylée, cette Fletzer. J'ai trouvé la touche pour gérer le frein à main, pour le doser, parce qu'avant je faisais toujours avec RB. Et du coup ça mettait des gros coups de frein à main, des travers dégueulasses.
En fait, j'avais oublié qu'avec la touche A de la manette Xbox, on pouvait le doser. Donc ça fait plaisir. Bon, on va pouvoir s'amuser un peu dans les virages. Mais là, vous êtes en train de vous dire, ils découvrent ça qu'après le 18e épisode. Bah ouais. Parce que pour moi, il n'y avait qu'une touche de frein à main, en fait, je sais pas pourquoi. Wow, c'est où là? Ah ouais, c'est par là. Ah bah c'est juste devant. Ah oui, mais je crois qu'on va monter sur toi, un truc dans le délire. I found the place. Okay, the mopes hold up in his apartment. It's on the fourth floor on the east side of the street. Go up onto the roof of the building opposite to get a shot at him. What if he isn't standing by the window? Then use your damn imagination to get him to the window. Jesus! Call me when it's done. Bah sur le toit alors. Ah bah ça doit être par, il faut aller par la rue là. Bon, on va y aller en voiture. Ça passe là? Oh oui ça passe. Ça passe juste mais ça passe pas. Ok, bah ça passait pas. Ah mais je crois qu'il faut rentrer dans le bâtiment en fait. Je crois que c'est ça le délire. Allez Nico, fais pas chier. Ah je crois que c'est ça non? Putain je m'en souviens pas. C'est là? Bah ouais c'est ça. Je pélo. Ça va pélo? Oh putain c'est quoi ce qu'il a fait? Oh le saut, on aurait dit qu'il allait sur la lune. Ouais donc là il faut monter tout en haut de toute façon. Ouais, calmez-vous là. Je vais vous calmer moi. Ok, c'est là. Ah oui, c'est ça, ouais. Là, je crois que c'est pareil, on peut choisir si on le laisse en vie ou pas, je crois. Je sais pas si je m'en rappelle plus. Mais... Ah mais je crois qu'on peut l'appeler. RD 545 555 0. Alors attendez, 545, ah ouais c'est 0122, ok. Je m'en rappelais pas. On peut l'appeler, voilà. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On va prendre le pompe au cas où. On risque d'avoir de la visite dans les escaliers. Alors c'est con parce que j'ai bloqué ma bagnole du coup. Je sais pas ce qu'il m'a fait là même. Qu'est-ce qu'il foutait là lui? Oh là là, ils ont pris cher. Hein. Ils ont pris un tarif spécial. Hop. Oh. Ah.
Ça a bugué, ça devait l'appeler. Ça devait l'appeler, ça a bugué du coup. C'est marrant que ça m'ait semé le flic dès que j'ai passé la porte. C'est bizarre. Bon. Bah voilà, bah du coup il reste plus que l'émission de Paki pour le moment. Donc et ben on va aller voir Paki, il est ici. Je vais couper le trajet parce que là c'est quand même long. Et puis on se retrouve sur place. Bon, sur le chemin, j'ai eu un appel de Dwayne qui m'a demandé de buter son pote Playboy X. Donc voilà, ça se confirme. Donc n'oubliez pas, dans l'espace commentaire, à me dire qui voulait que je tue, Playboy X ou Dwayne. Moi, je connais ce qui se passe si on tue Dwayne, mais je ne sais pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe si on tue... je sais ce qui se passe si on tue Playboy X, mais je sais pas ce qui se passe si on tue Dwayne. Donc voilà, après vous pouvez choisir à vous, peut-être que la plupart vous avez choisi de tuer Playboy X à l'époque. Enfin, dans tous les cas, vous me direz en espace commentaire. Allez, on continue. On est chez Paki. All I'm saying is that we'll all be judged in the end. All of your brothers. And you, Patrick. And you, Kate. Who's gonna judge Kate? What would she win if they did, Virgin of the Year? Oh. I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Ho-ho, there he is. Mr. Fucking Crazy Man. You want a beer? No. Good, because I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug-dealing to fucking degenerate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my sister. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Bye. What a girl. I think she likes you. Word to the wise, though. She don't put out, which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Understood. Good lad. You got any drugs on you, boy? No. Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Come on. We've got business out at the docks in Algonquin. Where's your car, man? We need a car. Bah, ma caisse, elle est là. Si jamais ça te dit. Ah ! Ça, c'est comique. Okay, there's a ship coming in and we're the welcoming party. Alors, c'est où ? Oh, putain. Bon, de toute façon, il y a du dialogue, donc on est obligé de le laisser. We're welcoming some of our cousins from the east. But we don't know what it is that they're bringing in. Exact. All we know is that it's worth a dollar or two. My brother Gerald had word about it through this Italian, Ray Bacino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day. But that's another story. Am I going to hear this story? Anyone who hangs around my family hears about the old days. Just wait. Oh yeah, Ray Bacino's a slimy motherfucker. The one thing you can rely on him for is greed. I'm too small time to be worth setting up, so the one angle he can be playing is the cash one. Makes sense. Yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll be a fun night. Depends on what you think is fun. Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, maybe. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term. You ever been inside? Not in this country. In Europe. They do things different there. Not so much of the fun in the shower that you guys have here in America. Must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in your chaste European jails. I'm going to pass on that. Send me a postcard if you do some time. Will do. Might even put you on the visitors list. I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to touch me. I got some moves.
You're a good man, Nico. I like you. Not in a fun in the showers kind of way. In a male bonding, about to go rob some people kind of way. All right, here we are. What's the plan? We get up on the roof of that warehouse. There should be a good view of the dock so we can scope that shit out. Follow me, Nico. Ah ouais, mais je crois que j'aurais dû prendre un gilet pare-balles, moi. Je crois qu'elle est tendue, celle-là, de mission. We're going this way. Ah ouais, on va la faire à la Mirror Edge. Oh putain, la balade. Ça c'est pas mal du tout ça. C'était bien fait ça quand même. Hein. Why don't they make these places easier to break into? Ouais bah reste pas là par contre. Parce que voilà, tu vas me gêner, frérot. Ok. Je l'ai même pas vu grimper là. Come on, ain't you fit enough for this work? This is where the deal's meant to be going down. Okay. And here's the boat, right on time. See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds. Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. Tout simplement l'affaire à la sniper, hein, déjà. Jump down there, man. Have at him. Wow, 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 wow. Merde. Ouais. Ça c'est bon. Un au fond là-bas, je l'ai vu. Ouais, on va pas s'emmerder. Ah, ça c'est con. C'est bon, y'a plus personne. On va descendre, hein. On va voir. Hop là. Ah si. Allez, allez, allez. Tiens, il prend pas les balles, lui. Ah, merci. Les mumus, comme d'hab, toujours important. C'est gratuit, donc... autant les prendre. Ok,
Il est où lui? Here we go! Here we go again! Again! No more! Il y en a là-dedans? Non. Personne là-dedans. Ok, c'est bon. J'ai entendu un parler pourtant. Ah mais d'être dans le camion les gars, ok. Non? Aucune idée, bug. Allez, ramène ton boule. On a pas que ça à foutre. What are you doing? Stop! Alright Nico, you drive. I'll take out anyone who tries to follow us. We're going up to Ray's lockup in Westminster off of Union Drive West. Box. Bon, je pense qu'on va avoir du monde sur la route. Si je me souviens bien, voilà. They're taking this real serious, aren't they? They do not like to be robbed, I guess. Not many people do. But that's a lesson I've learned. Fucking Pacino said it'd be easy. Good thing I enjoy a good run. What the hell? Is it Chinese New Year already? There's a bunch of grenades in here. Pass them up, hey. I'll give them a taste of their own fireworks. Oh là là, les culs qu'ils ont là. Oh la station. Ah, oh, j'aurais dû mettre une grenade dans la station putain. Allez, avance. Hop. Oh putain, nickel. C'était tendu. J'avais peur que le camion il saute. Ah. The stuff all in there. Sure is. All safe and sound. Whole truckload of it. A lot of wives and mistresses are gonna be happy when their men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be hard in a few days' time. Who's this? That's my boy Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico, come over here. You work for these Mick bastards? Fucking guinea. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. Ok. Bon bah voilà les amis. Pour cet épisode, ça sera déjà pas mal. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, gros pouce bleu du soutien. N'hésitez pas à dire en commentaire tout ce que vous pensez de cet épisode. Si la série vous fait toujours plaisir. Et puis pourquoi pas la partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Tous les liens sont en description. Vous avez aussi le lien de la playlist de tous les épisodes déjà faits sur GTA 4. Si jamais vous voulez suivre tous les épisodes en entier jusqu'à celui-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je tue Playboy X ou Dwayne. Voilà, merci à vous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.